T'as mangé quoi ce matin? Fromage blanc, fromage avec blanc. Des fruits. Pizza ou quinoa? Pizza. Ça c'est bon ça. Après une compétition, tu te lâches un peu, t'as genre un truc que tu bouffes toujours? Après un burger de temps en temps, ça je dis pas non. Pour toi le snack idéal, petit grignotage, c'est quoi? Ouais, ou des dinosaures. Ah, les petits biscuits là. Est-ce que t'as un conseil alimentaire pour les sportifs amateurs? Je dirais manger frais, varié et coloré. Parfait. Aujourd'hui, ce sera frais, varié et coloré. Une recette toute simple à réaliser. C'est une salade de fusilli. Et on va réaliser toute la recette pendant que les pâtes cuisent. Donc ça prend 10 minutes au total. C'est parti. Alors ici, j'ai des escalopes de poulet. Donc voilà, ça c'est déjà mariné. Et on va cuire ça un peu à l'huile d'olive. Je t'invite à couper un pamplemousse à vif. À vif, ça veut dire quoi? Ça veut dire retirer les suprêmes de pamplemousse. Donc on coupe la tête, le dessous, et puis on va venir éplucher tout autour pour révéler, tu vois, la chair en fait. Voilà. Et en laissant reposer la viande, c'est là qu'elle va vraiment s'attendrir. C'est comme toi après un sprint, t'es tout crispé, t'es tout comme ça. Tu vas être détendu et tu seras comme cette petite braille bien juteux. Donc la mayonnaise classique, c'est un œuf, une cuillère à soupe de moutarde, le jus d'un demi-citron, assaisonné avec un petit peu de sel et de poivre. Et la particularité de la salade César, c'est pecorino romano, je sais pas si tu connais. Je vais mettre deux anchois avec les câpres, puis tu mets le mixeur dedans et puis l'huile, parce que la mayonnaise c'est une émulsion. Donc ce qui va se passer, c'est que l'œuf va lier l'huile. Pour combien de temps le 100 mètres? 10 secondes, enfin 10... 10 secondes. Eh ben, je vais être plus rapide que toi, t'es prêt? 3, 2, 1... Ouais, juste en dessous. Juste en dessous. Kevin, les pâtes, donc elles sont égouttées, elles sont al dente. Tu peux y ajouter une cuillère à soupe de mayonnaise et puis faire la salade de pâtes classique. Et moi, je vais ciseler encore un peu d'herbe. Tomates cerises, cresson. Je t'envoie encore un peu de jeunes oignons, bam. Et puis, tu peux parsemer un mélange de graines. Il y a des graines de potiron, des graines de tournesol. Bon, bon appétit. Bon appétit. Kevin, salade de champion.